Hey, vous là-bas. Oui, oui, vous dans la salle. Écoutez-moi deux minutes. Ah ben, laissez-moi le temps d'arriver. Voilà. Ouf. Pourquoi dites-vous toujours une vie de chien et jamais une vie d'homme? Et pourtant, vous appelez ça une vie? Et pan, et pan, et pan. Plutôt qu'un petit apéro au soleil. Et vroom à droite, et vroom à gauche. Et là encore, il n'y a pas d'embouteillage. Plutôt qu'un bon billard et un petit champagne avec les copains. Dire que son grand-père s'est battu pour les droits de l'homme. C'est pas beau, ça? Les sacs, les petits ronds, les sacs encore, les petits pois. Plutôt qu'une partie de foot avec les mots, mais avec moi dans les buts. Hé, hey, vas-y, et vas-y, et un pour nous! Et le soir, à heure fixe. Eh oui, plutôt que quand on veut. Nous, et c'est-à-dire moi et mon patron, on a choisi. Le jour, la pêche. Ah, moi, j'adore la pêche. Je suis un chien de pêche. Et Alexandre, ça mord, et viens vite me donner un petit coup de patte. Et puis le soir, la ronflette. La vraie, l'organisée. Mais dans le pays, ça jase. Alexandre, lève-toi et marche. Alexandre, il fait la pause. Moi, je le comprends, Alexandre. Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche. Quand on a 120 hectares, on ne dort pas! Ah, parce que tu trouves ça moral de se crever comme on fait? Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Moi, je vais me coucher, mon vieux. Alexandre, on la fera! Alexandre? Il dort. Ça fait 2 mois. 2 mois? Mais c'est pas si possible. 2 mois? Tu vas pas rester là? Si. Elle travaille? Je m'en fous! Je suis en vacances! Pour la vie! L'oiseau dans la pêche, le dodo, c'est ça une vraie vie de chien. Enfin, une vraie vie d'homme. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Alexandre le Bienheureux.